Hello à vous, ici Fred Laolès et on se retrouve pour un nouvel épisode de Dissident World et c'est parti. J'ai gardé l'armure parce que j'ai les pigments, je suis dans le Nether, donc j'ai gardé l'armure, une fois n'est pas coutume, pour vous dire le petit bonjour. C'est parti. Alors, j'ai prévu 2-3 trucs, je sais pas si j'en aurai assez, par contre, il va peut-être falloir que je retourne en farmer. J'ai pris de l'andésite pour faire le sol, l'andésite poli. Pour faire le sol de la maison, nous allons le faire ensemble, n'est-ce pas? Un petit épisode. Je vous rappelle, là je tourne le dimanche. J'essaie de prendre de l'avance sur mes vidéos parce que je vous rappelle que je serai à la Medinazia et que je pars le jeudi justement pour passer un bon petit week-end quand même là-bas et que je verrai les cats. Hop là. Donc voilà, tout simplement. Hop là. Vous savez que c'est la deuxième fois que je vais en Belgique et je n'ai jamais mangé de fricadelle. Peut-être cette année. J'avais laissé mes torches de... Hop là. Donc là, faut faire gaffe de pas trop y marcher dessus, n'est-ce pas? Voilà, j'en avais assez. Pile assez. Oula, oui. J'ai prévu... celui-là, il va servir là, voilà. Comme ça, on pourra dire on avait prévu pile assez, les amis. Parfait. On va mettre la porte. J'ai prévu qu'un bouton. Ah, j'ai pas deux boutons, j'ai qu'un bouton. On mettra la porte au prochain épisode. Le bouton, en fait, c'est du bouton au boulot parce que le bois, il tient les portes ouvertes plus longtemps. Et il tient les portes ouvertes plus longtemps que la pierre. Ah, mais la pierre, ça ferait avec. On se calme. On va prendre en pierre quand même. Écoutez, on va aller vite fait dans l'overworld prendre des boutons. Attendez, hop. Que je ne me perde pas. Oh, je suis à côté en même temps. L'idée, c'est vraiment de faire un village. Bon, là, il faudra que je finisse la tour, hein, comme je vous l'ai dit. Il faudra que je finisse la tour. Mais l'idée, c'est vraiment de faire un village. Une sorte de village maudit, ou un village pygmène, ou un village maudit, ou un truc dans le style. Afin de que les gens déjà s'y retrouvent. Hein, quand ils voient le village, ils disent « Ah, c'est là !» Et puis, j'avais envie de construire dans le Nether. J'aime bien construire dans le Nether. J'aime bien construire dans le Nether et c'est vrai que ça fait quelque temps que je ne construisais plus dans le Nether. On arrive en pleine nuit, les amis. Coucou les meumeux. Vous êtes toujours toutes là, hein? Ouais. Pas pourquoi je suis passé par là. J'ai fait tout le tour parce que l'idée c'est d'aller dormir quand même, mais je voulais voir les meumeux avant. La meumeu qui passe sa tête à travers la porte. Hop. Voilà, très belle représentation de Billy. De Jigsaw. La poupée s'appelle Billy. Il faut le savoir. Mais ça, je vous le dis assez. Hein. Je suis fan de ces films. Voilà, hop là, on va prendre l'andésite. Au cas où. Est-ce que j'ai de la roche quelque part? J'en ai une là. J'en ai deux là. Allez, hop. Hop, et on la replace là, elle. Ah, attendez, j'ai vu. Ça m'intéresse. Nickel! Nickel, dites donc.
et on va faire deux boutons. Du coup, on a nos deux boutons. On va les faire en pierre, écoutez. Hop. Ouais, moi je passe par au-dessus. Faut passer par en dessous. Moi je passe par au-dessus. Je suis un rebelle. Ouais. Ah, j'aurais peut-être dû prendre un peu de bouffe, mais bon, c'est pas grave. On va faire un tout petit épisode avant de partir. Il faut que je uploade. Donc là, on est le mardi. Je calcule parce qu'en fait, moi, j'enregistre le dimanche. Il faut que derrière, j'enregistre au moins le Ragnablog du mercredi. Je sais ce que je vais y faire. Ça sera un petit épisode aussi. Donc il faut que j'enregistre le Ragnablock du mercredi, que je mette tout à l'upload aujourd'hui pour que demain. Hop là. Ah! Ah! Pour que demain je puisse enregistrer, donc demain lundi après le boulot, pour que je puisse enregistrer le Clean World. Et le Ragnablock du dimanche. Fallout étant, comme je vous l'avais déjà dit, déjà été enregistré avant. Si je peux même enregistrer le Clean World. Si je peux même enregistrer le Clean World. Aujourd'hui. Le soir, le dimanche soir, ça sera pas mal, les amis, je pense. Hop. Parfait, merci de me laisser passer. Là, il faudrait replacer. Ouais, il en manque une, hein. C'est bien ce qui me semblait. On va mettre une craquelée. Hop là. Tac. Pousse-toi un peu. Tu te pousses un peu? Voilà, pousse-toi un peu, Gérard. Gérard Bouchard. Non, peut-être pas si loin. Alors, attendez. Peut-être sous les fenêtres. Il faudrait que je remette de la matière là, pareil. Oui, j'ai pris pour la porte et je fais tout autre chose. Et je fais tout autre chose, mais c'est pas grave. Ah! Remettre de la matière là. Là. Après, c'est pas gênant. Après, c'est pas gênant. Faudrait en refaire par contre. Hop, hop. Je l'ai mis un petit peu pas très pratique, lui, non? Ça, de toute façon, on en refera. On n'en a pas besoin pour le moment de la pierre taillée brute, les amis. Mais je pense que je vais réduire un peu l'escalier quand même. Pas le faire aussi loin. Le faire là, par exemple.
qui dépasse d'un, pas autant. Pour pouvoir faire, vous voyez, pour le rétrécir. Hop. Non, ah non, il faut qu'il soit en dessous. Qu'est-ce que je suis bête. Justement, faut qu'il soit en dessous. Voilà. Là, on casse, on remplace. Hop. Et là, ah, ouais. Si, bah après, je peux le laisser de 3. Ah. C'est pas un souci après. Je peux le laisser de 3. Hop, là pareil, on casse, on remplace. J'ai de la craquelée, ça fera autant. Ensuite, là, donc pareil. Et là, on laisse comme ça. On me trappe peut-être des dalles là. Et je ferai un bateau dans les flammes. Ah ouais. Ces pêcheurs avaient trouvé le moyen de faire des bateaux qui résistent au feu. Ah. Ils allaient pêcher les poissons des flammes. Je sais pas trop comment on pourrait appeler ça. Mais enfin, voilà, pousse-toi, toi, pousse-toi, 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 voilà, fermé. Hop là, voilà. Pousse-toi, 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 pousse-toi. Et ça, on peut le mettre là, vous voyez, vous vous mettez dedans pour sortir. Hop là. Ouais, nickel. Tranquillou, tranquillou, tranquillou. Voilà. On est à 13 minutes. On a pas mal bossé dessus. Alors. Je les ai mis jusqu'où, eux? Jusqu'à la fin de ces escaliers-là. Savez, c'est un petit peu le style mégatonne avec les. Par contre, ça. Oh, quoique. On aurait pu le laisser, ça aurait pu faire. Hein. Ouais. Ça aurait pu faire sympa. Je les ai enlevés là, non? Ouais. Par contre, oui, non. Il a enlevé. Le style mégatonne avec les grilles qu'il y avait en dessous, vous savez?
Ça peut faire assez sympa. Vu d'en bas. Hop. Peut faire assez sympa. On le fait pas plus loin. Là, elle est enterrée dans la terre. Et là, ben, y a un petit surplomb. Tout simplement. Qui fait assez... assez sympatoche. Ça peut être pas mal. Pour y donner un petit peu de... petit peu de relief. Allez me dire, ça fait beaucoup d'escaliers. Un petit peu. Ou alors limite, 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 il faudra faire. Pas bientôt fini les pigmen, non, on s'entend plus parler là. Pour donner un peu de relief. Voilà. On a quand même une marge. Hop là. Oh. Salut toi. Voilà, il faudra regarder pour la meubler. Pas de choses en bois. Bon, le feu a été désactivé, hein. Donc les choses en bois ne brûleraient pas, mais je veux rester dans le réalisme. Donc, bah. Voir des choses. Pas mettre de la pierre taillée, parce que la pierre taillée, ça se fondrait dans le mur. Et encore que. Moi, je dis qu'on pourrait. Ah ouais, mais non, c'est contre le pilier, ça irait pas. Je remets comme c'était, évidemment. Je vais pas faire du contre le pilier. Pourquoi pas là? Ils me font peur quand j'entends les... Vous voyez? Hop là, on pourrait faire des petites... des petites cases à rangement. Comme ça, ou des petites cases où il y aurait un truc sympa. De toute façon, on mettra des tableaux, je pense. Voilà. Là, on met un grand truc, et puis là, il y a des petits bibelots, par exemple, qu'on ne peut pas mettre puisqu'on n'a pas, on peut pas mettre dans les escaliers, mais. Mais ça peut être sympa. Ça peut être sympatoche. En tout cas, voilà, on arrive à 20 minutes d'épisode et c'est ce que je vais faire là, aujourd'hui, parce que il faut que j'upload et que j'enchaîne sur Ragnablock. Et ouais, pas facile, pas facile. Regardez, on va se mettre comme ça. Je vais garder mon armure, par contre, si vous me le permettez. Hop là, voilà, dans ce magnifique lac de lave. Voilà, que je vous dis que j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. Et j'interagirai toujours avec délices, volupté et dissidence avec vous. Mais pour l'heure, il ne me reste plus qu'à vous dire bisous filles, amitié aux gars et à très très bientôt. Bye bye.